Là, ils sont mieux. Hop. Alors. Bon, on va faire le plus près. C'est où? C'est juste à côté. Où est? Par les dieux, pourquoi il fallait que ce soit des serpents? Les serpents? Fais-moi sortir d'ici! Ouais, mais par où? Attendez. Ça sent la baisse d'histoire, donc on va sauvegarder. Voilà. Récupère mes flèches. Voilà. Loué soit le dieu qui t'envoie. Sans toi, il m'aurait dévoré vivant. Je ne pense pas qu'il puisse te manger. Mais il m'aurait tué à coup sûr. Alors merci. Ça me fait toujours plaisir de venir en aide à quelqu'un. Ce monde manque hélas de gens comme toi. Surtout en ce moment. C'est Périclès qui m'a envoyé. Il s'inquiétait pour toi. Tu te retrouves souvent ligoté et entouré de serpents. Comment peux-tu plaisanter? Des bandits sont entrés chez moi. Ils m'ont traîné ici. Et ligoté avant de lâcher ces infâmes créatures. Il faut les arrêter. Les serpents? Non, les bandits! Pourquoi une telle mise en scène? Les hommes politiques sont des cibles de choix ces temps-ci. Quand ils m'ont ligoté, ils m'ont traité de serpent, qui méritait d'être tué par ses semblables. Tu connais ceux qui t'ont fait ça? Périclès m'avait demandé d'aller dans le quartier des pêcheurs pour parler aux pauvres et aux malades, leur redonner espoir. C'est comme ça que j'ai reconnu leur voix. Vraiment? Oui, ils m'ont jeté des aliments pourris et m'ont injurié. Ces bandits cachaient leur visage. Mais il dégageait une épouvantable odeur de poisson. Où puis-je les trouver? Je n'ai pas vu leur visage, mais j'ai reconnu leur voix. Ils viennent d'un quartier où je suis allé. Ce sont des habitués des réunions de Cléon. Ils vivent dans la partie inondée de la ville, près de la muraille. Je vais les trouver, Métiokos. Ne t'en fais pas. Les tensions sont vives dans la ville. Si ça continue, nous allons nous entretuer avant que les Spartiates ne franchissent les murs. Je doute que cette partie d'Athènes fasse la fierté de Périclès. Mmh.
doit bien y avoir un indice quelque part. Des serpents, semblables à ceux qui devaient tuer Métiokos. Apparemment, les bandits qui ont attaqué Métiokos n'ont pas imaginé leur plan tout seul. Des morsures de serpent. Et quelqu'un a caché le corps. Mais je pense que cette mort était un accident. Ce doit être la maison de ceux qui ont attaqué Métiokos. Mais ce message montre que l'idée venait de quelqu'un d'autre. Qui ? Qu'est-ce que tu fouines autour de ma maison ? Vous avez attaqué Métiokos. J'ai trouvé les serpents, la lettre de votre ami et un corps. Ici. Oh, pauvre Actis. On connaissait tous les risques. Il faut souvent verser un peu de sang pour changer les choses. Pourquoi faire tuer Métiokos par des serpents ? Nous sommes prisonniers dans cette ville à cause de Périclès et de ses amis corrompus. Le vendeur de serpents a dit qu'il était temps de leur envoyer un message. Vous ne pouvez pas faire justice vous-même. Je vais devoir décider de ce que je vais faire de vous. Cléon dit qu'il est temps de se battre et de chasser l'élite de la ville. Peu importe ce que tu feras de nous, d'autres prendront notre place. Je sais que quelqu'un vous a donné ces serpents et qu'il s'est servi de vous. Alors je veux savoir qui c'est. C'est un vrai héros, Athénien. Aucun des sbires de Périclès ne peut l'arrêter. Tu veux payer pour quelqu'un d'autre ? Dis-moi où est ce vendeur de serpents. D'accord, d'accord. Il a un campement à l'extérieur des murs. C'est là qu'il vend ses serpents. Allez, cassez-vous. On peut encore changer les choses. Mais il faut qu'on travaille ensemble. Oui, tu as peut-être raison. Rien ne t'obligeait à nous épargner. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Commencez ici, dans votre quartier. Oubliez les hommes politiques. Et changez ce que vous pouvez changer. Merci. On va essayer. Je dois débarrasser Athènes de ce vendeur de serpents. Il est là-bas. Bon, il est niveau 17. On va essayer de le choper en discrétion. Je dois rester hors de vue. Putain, il y a des serpents. Oh, tu essaies de te battre. Je vais te tuer, Christios. Putain, tout ce qu'ils m'ont enlevé comme vie. Cherche à prouver.
tu ne me rattrapes pas. Ah putain. Mieux vaut se méfier. L'endroit est bien gardé. Et le mec, il est tout seul, hein. Il y a un serpent. Déjà, me débarrasser de cette saloperie. Voilà. Voilà. Il y en a un. Voilà. Voilà. Ensuite, là, il y en a un. Je vais te tuer, Mystios. Arrête de courir. Qu'est-ce que... Ah putain. C'est que retard des lignes du pas. Je m'attendais pas à ce que tu sois aussi faible. Si elle se cache, c'est près d'ici. Vais la voir, cet archer. Ta vie est à moi, tu ne mourras pas. Thank you.
forcément quelque part. Faut attendre qu'il arrête de me chercher. Ici. L'archer est là-bas. Sa mort devra sauver la vie des amis de Périclès. Voilà. Faut être juste un petit peu patient dans les combats. T'as même le poulet, il m'attaque. Eh oh, les poulets, vous vous calmez, là. Hein. C'est pas Zelda, ici. Hein. Ta situation a l'air meilleure qu'à notre dernière rencontre. Le danger est écarté pour l'instant. Mais tant que ces monstres seront là, personne ne sera en sûreté. Tu as été ligoté par un groupe de pêcheurs, eux-mêmes manipulés par un vendeur de serpents qui travaille pour les ennemis d'Athènes. Qu'est-ce que tu as fait d'eux ? Je leur ai montré qu'ils se trompaient et je les ai laissés partir. Ils ne t'ennuieront plus. Je suis content que tu ne les aies pas tués, mais comment sais-tu qu'ils ne recommenceront pas ? Je leur ai fait comprendre que tout acte stupide m'agacerait beaucoup. Oh, cela a dû être une expérience terrifiante pour eux. Merci de ton aide, Mystios. Je n'oublierai pas d'en parler à Périclès. Voilà. Niveau 16 ? Non, même pas. Fuir Athènes. On va faire Fuir Athènes. Il n'y a toujours pas de... Et bien voilà. Oh.
Je vais pas t'en vivre. Ben voilà, niveau 16. Que puis-je faire pour toi? Alors, déjà, je vais te vendre des trucs. Alors, ça... Ensuite, ça. Ça. Le fromage qui pue. La viande. Miss Hermès, toujours ta compagne. Je vais mettre la nouvelle ceinture. Elle est mieux celle-là. Bah merde alors. Qu'est-ce que je peux pour toi? Améliorer. Alors. On va améliorer ça. Voilà. Ensuite... Plus 8% de dégâts sur soldat atteignant. Plus 12 de l'armure totale, plus casse de santé. Non, celui-là c'est le mieux. Ensuite, 156, 163. Une petite surpuissance. Ah, j'ai pas assez. Mon dépôt. Bon, j'ai amélioré ma hache, c'est suffisant. Si je peux autre chose pour toi. Voilà. Oui, j'ai un point. Ça va être bien ça. Mmh.
mal. Halt! Je ne peux pas te laisser passer. Il y a des gardes armés devant les ateliers d'artistes maintenant? Je fais ce qu'on me dit, étrangère. Et jusqu'à nouvel ordre, personne n'entre ni ne sort. Écarte-toi, c'est important. J'ai ordre d'éloigner les gens. Tu pourras voir Phidias après son procès, s'il n'est pas condamné à mort. Allez, tends ton cou. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de voir Phidias. Si tu vois ce que je veux dire. Oh, tu viens le voir une dernière fois avant son procès. Il va sûrement mourir, tu sais. Alors occupe-toi bien de lui. Oui, ne dis à personne que je suis venue. Bien sûr, bien sûr. Passe ton chemin. Pardon, désolé. Comment as-tu fait pour entrer? Le garde ne laisse passer personne. Du calme, c'est Périclès qui m'envoie. Ah, loué soit Athéna. Je savais qu'il m'enverrait de l'aide. J'ai eu peur qu'on t'ait envoyé me tuer. Je suis là pour te faire quitter, Athènes. Alors, il sait pour le complot. Tu parles du procès? D'après ce que j'ai vu, tu n'as aucune chance. Ah, le peuple m'adore. Je suis Phidias. Mais il y a autre chose, regarde. Malaka. Ce n'est pas du procès que Périclès veut te protéger. Ce sont des instructions pour te tuer. Qui a écrit ça? Je ne sais plus à qui me fier. Je ne suis qu'un artiste. Tout ce que je veux, c'est créer. Dis-moi ce que je dois faire. Avant tout, il faut que tu te ressaisisses. Tu vas être jugé, la population est contre toi. Et voilà que j'apprends que le culte veut ta mort. Ah. Je ne t'ai pas dit de te ressaisir? Si, si, où ai-je la tête? Cléon prétend que tu gaspilles l'argent du peuple. Il est déterminé à lui offrir ta tête. Cléon a parlé de moi? Ça va nuire à Périclès. D'abord l'irrévérence, maintenant le vol, après tout ce que nous avons fait pour la ville. Vous avez l'air proche, Périclès et toi. C'est notre amour pour Athènes qui nous lie depuis toujours. Et nos différences nous poussent à la grandeur. En cela, c'est une véritable amitié. Très bien, il faut partir. Où faut-il que je te conduise d'après toi? Il y a au sud d'Athènes une île appelée Sériphos, où habite mon ami Terras. Quand j'ai eu vent de ce complot contre moi, je lui ai fait passer un message. Si quelqu'un peut nous aider, c'est lui. Bien. S'il a des indices sur l'identité des adeptes, tant mieux. Oui, tout peut être utile. Un garde! Je vais le distraire pendant que tu t'éclipses. Retrouve-moi ce soir, nous partirons pour Sériphos. Attends de me voir sur les quais pour te montrer. Très bien, j'ai compris. Tu ne croyais quand même pas que j'allais te laisser tranquille comme ça, non? Bon alors, tu es où?
Sortons comme si il ne s'était rien passé. Allez, on va appeler le cheval. Allez. Pardon, laissez passer. Laissez passer les poulets. Si je médite, voilà. Oh, bien, tu es là. Je commençais à m'inquiéter. Je t'ai dit que je te ferais quitter Athènes. C'est vrai, oui. Ton ami est digne de confiance ? Terras et moi, nous sommes amis depuis très longtemps. Je lui ai envoyé un message pour lui dire où nous retrouver. Traîner ici ne nous apporterait que des ennuis. Partons pour Sériphos tant que nous le pouvons. Jamais cru devoir quitter. On s'habitue à partir. Prenez la voie ! Hérodote, quelle est l'île qui est devant nous ? Sainte, ma chère, c'est la célèbre île de Salamis. L'endroit où Athènes a triomphé des Perses ? C'est dans ce moment. Allez, on va leur rentrer dedans. On nous tire dessus. Attention, tu fais. Venez. Des flèches arrivent sur nous. Arrêtez à tirer. Tirez vite.
il y en a un, il a volé. Allez, vite. Vite. Hop. On passe à l'abordage. Voilà. L'autre, il s'est planqué. Tiens, un cadeau. Un casque et une jupette. C'est 13, c'est 19. Ensuite, 24. Voilà. Allez, en avant. On n'a pas fini. On a besoin de plus de gens ici. On a tiré des ennemis à la surface. Allez, tirez. Ils sont prêts à tirer. Attention, on s'accroche. Attention, ils nous envoient des flèches. Par les bourses de Poseidon. Allez, on va se rapprocher un peu. Là, on peut repêcher ça. Arrêtez à tirer. On a prêt à tirer. Allez. On et voilà entre les mains de Poseidon. On va leur faire payer. Voilà, pour être bien sûr qu'il est mort. Préparez-vous là. Il peut tirer sur nous.
Préparez-vous à tirer! Ils viennent droit sur nous! Ah, je suis dans le mur. C'est bon, on peut continuer tranquillement. Il va nous faire chier, lui, ou pas? Tiens, beau navire. Faut vraiment rester aussi près. Oh, putain. Tu vois ce volcan? Allez, on est prêt à combattre! Pas le moment de regarder le volcan! Il brûle! Tous! Attention, attention! Allez les mecs, on rame! Ça, c'est naviguer! Les archers! Comment? Essayez de faire la tirer sur nous! Laissez ces flammes! Des flèches! Arrêtez-vous! Ils foutent les flammes! À la carte! Attendez! Deux heures après, l'ennemi va tirer! Archers! En position! Lâchez les flèches! Retenez à votre poste! Dégage. Allez, on dégage. Oula. Oui, là, je le vois plus. Ah.
Bon, bah c'est... Noyé. Oh, une ceinture de conquérant. Ça va être mieux que mes petites jupettes. Voilà. Allez, hop là. Attendez. Ah, je peux pas sauvegarder. Il y a beaucoup à faire. Et beaucoup d'incertitudes à la maison. Allez, on y va. C'est un beau navire. Ne te sens pas obligé. À faire quoi ? Combler les silences. Oh, je n'essayais pas de faire ça. C'est tout simplement que je prends rarement la mer. C'est parfois libérateur. Oui, libérateur me semble le mot juste. Mais si je commence à avoir la nausée. Alors penche-toi par-dessus bord, si ça te convient. Sinon, c'est toi qui n'es pas. Tu as l'estomac aussi barbouillé que moi? Ne dis pas, on arrivera bientôt à Sirifos. Attendez. Voilà. Et bon. Tu es bien silencieux, Barnabas. Pardon. Il y a des années, par une belle nuit comme celle-ci, mon vieil ami Garros et moi avons entendu des voix chanter nos noms dans les ténèbres. Ce chant était si doux que nous en avons oublié comment naviguer. Ne me dis rien. Tu as vu les sirènes. Je me suis bouché les oreilles pour ne plus entendre leur chant. Mais quand j'ai voulu avertir Garros, il n'était plus là. Je ne l'ai jamais revu. Je suis content de te voir sain et sauf, Phidias. Moi aussi, Terras. Comme tu peux le voir, je ne suis pas venu seul. Ah oui, voilà l'héroïne compatissante dont parlait ton message. Je suis heureuse d'avoir pu lui sauver la vie. Et pour te remercier, j'ai trouvé des informations sur un dénommé Brison qui cherche à tuer Phidias. Espérons que cet indice pourra t'être utile. Il l'est. Remercie Périclès pour moi, et fais-lui mes adieux. Et sois prudente. Je pense que beaucoup sont encore en danger à Athènes. Alors, dévoilement des adeptes. Grâce aux indices que vous avez découverts, dévoilez l'identité d'un adepte en accédant à sa page d'information. Après leur dévoilement, vous pourrez suivre les adeptes sur la carte. Chaque fois que vous éliminez un adepte, vous récupérez des indices permettant de dévoiler les adeptes les plus... Des adeptes plus puissants. C'est qui? C'est n'importe lequel? Détail. Allons-y. Cosmos exige de connaître les secrets cachés dans le cœur des hommes. Alors, je les ouvre. Que vaut une vie sans un millier d'autres derrière elle? Okay.
Les esclaves comprennent mieux les règles quand on les entaille sur leur nuque. Je jure sur ma vie et sur les vies que je prendrai, que je ne trahirai plus jamais Cosmos. Ce combat ne prendra fin que lorsqu'il ne restera plus que moi. Bon, lui, il est vénère. Non, lui, il est pas... Elle. Non plus. J'ai passé 20 ans en mer pour découvrir que le culte était ma seule maison. Non plus. Oui. Ah. Le chaos est notre plus grande force. Lui aussi, il est vénère. Hein. Ça doit être la branche des mecs énervés. À quoi bon la démocratie? C'est l'argent qui dirige le monde. Et lui, il a tout compris. À te dévoiler. Le culte n'est rien sans moi. Même les dieux se cachent en me voyant. Soumets-toi ou meurs. Ok. Alors, profitons d'être sur l'île. C'est une masse de Far Cry, ça. (Rire)
Oui, après tout, Far Cry, c'est Ubisoft. Hein. Ah. Amène-toi. Allez, Pabou, amène-toi. Et voilà. Parce qu'il s'est emmerdé par un requin. Faire des amis. On est là. Allez, grimpe! Oh là là! Ça, c'est pas les chevaux de Skyrim. Hein. Non, mais casse-toi! Non, non! Ah.
Non, casse-toi. Ça va, c'est pas trop dur? Je vais garder ceux-là, ils sont mieux. Je vous verrai toutes lors de la cérémonie du choix. J'espère sincèrement que tu y seras. Laisse-moi deviner, il est riche? C'est Aetios, l'héritier de la famille la plus influente de Chaos. Et la cérémonie de son choix d'épouse aura lieu demain. Pour être choisi, il faut la bénédiction d'Eros. Tu espères devenir riche en te mariant? Non, c'est Aetios qui me plaît, pas sa fortune. Tes yeux trahissent tes sentiments. J'ai l'impression que tu te moques de moi. Tu peux te mettre à prier avec les autres. Non, il faut que je me distingue. Si je fais comme tout le monde, je ne serai jamais choisie par Eros ou Aetios. Je suis prête à tout. Absolument tout. Absolument tout? Oui. Eros? Allons, il est assourdi par les jacasseries de toutes ces femmes. Laisse-moi t'aider, je suis une servante des quatre, déesse de la sorcellerie et de la magie. Je sais ce qu'il te faut. Un filtre d'amour. C'est ridicule, les filtres d'amour sont un mythe. Je vais te l'acheter. Je t'en prie, vends-le-moi et n'en parle pas aux autres. Je ne veux pas de ton argent, je répands gratuitement la parole des quatre. Mais un filtre d'amour est propre à chacun. Il faut que je le prépare. Avec amour, rien que pour toi. Une fois que la dernière goutte aura coulé dans ta jolie gorge, il émanera de toi une beauté pure et flamboyante. Aetios en deviendra ton esclave d'amour. Mais avant, il me faut deux choses. Du vin de grande qualité et quelques champignons sauvages. Des champignons? Où vais-je trouver ça en si peu de temps? Ma foi, cette Mystios acceptera forcément de t'aider. Je t'en prie, Mystios, je t'en supplie, aide-moi! Au nom de l'amour et au nom de l'argent, enfin, je te donnerai tout ce que j'ai. Et si Aetios me choisit, je pourrais t'en donner bien davantage. Oh. Ok, ok. Je vais trouver les ingrédients de ton filtre d'amour. Le vin de grande qualité est une denrée rare. Où vais-je en trouver? Une cargaison de vin très coûteux a disparu dans un naufrage, il y a peu. Va voir l'épave dans la baie des pirates. Tu devrais en trouver si elle n'a pas déjà été pillée. Elle est échouée sur la côte ouest de l'île. Où est-ce qu'ils poussent, ces champignons sauvages? Non, non. Une cargaison de champignons peu commun est arrivée à l'entrepôt de l'octroi. Vas-y, et rapporte-moi en quelques-uns. Très bien. Je vais aller chercher ça. Merveilleux. Tu nous retrouveras alors au temple, au sommet de la colline. Oh, Ria!